gardien était là parce qu'il devait rester éveillé pour veiller sur la lampe en haut. Oh, c'est impressionnant. Mais donc, c'était pas de l'électricité avant? Non, c'était soit de l'huile de colza ou du pétrole. Oh là là. Et passer toute la nuit là-haut, ça devait être long quand même. Hein. Bah, le lendemain matin, il se reposait bien, à mon avis. Oh là là. Ah, j'ai mal aux jambes. Hein. Ouais. C'était cool quand même. Hein. Bah, on a monté 271 marches quand même. Ouf, ouais, c'est pas rien. Sur 58 mètres de haut, presque un immeuble de 30 étages. Ah ben, en tout cas, t'en connais des choses hein, sur les phares. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu à quoi ça sert un phare? Un phare, c'est un peu comme un panneau indicateur pour les marins. Ça dit aussi au capitaine, ici c'est Calais. Et comment est-ce qu'ils font les marins pour savoir qu'ici c'est le phare de Calais? Comment est-ce qu'ils font par exemple pour faire la différence entre celui-là et celui de Dunkerque? Dans chaque navire, il y a un livre des feux. Il est obligatoire pour reconnaître les phares. Tous les différents phares? Ouais, il y a ceux du monde entier. Waouh, dans un phare, il doit y avoir plein de lumières, plein d'ampoules partout. Non, en fait, il n'y en a qu'une. Une seule? Bah, en fait, il y a une lentille qui tourne autour qui permet d'envoyer la lumière très loin, un peu comme une loupe. Une lentille? Ah, j'aime bien les lentilles. Non, celle-là, elle se mange pas, à mon avis. Elle permet d'aller à 43 km. 43 km? Eh oui. Attends, mais ça veut dire que même en Angleterre, ils voient la lumière? Ouais. Et l'ampoule, elle fait que 250 watts. Concrètement, si le phare n'était pas là, ça veut dire que tous les bateaux, eh ben, ils échoueraient. Donc, le but d'un phare, c'est de montrer la direction au navire, c'est de montrer, ben, ici on est à Calais, mais aussi de montrer la direction. On peut comparer un peu dans la Bible, Jésus a un phare, il veut nous montrer le chemin, il est là pour nous éclairer, pour nous montrer la bonne route. Si le bateau, il ne suit pas la lumière du phare, ben, il risque de couler et d'échouer. Si on étudie sa parole, si on écoute ce que la Bible elle dit, ben, on est sûr de marcher sur les droits chemins. Et même si on se trouve dans des situations difficiles, ben, on regarde à Jésus qui est le phare et il va nous remettre sur le droit chemin, il va nous aider à continuer. Alors j'ai ma Bible avec moi et il y a un verset là-dedans qui parle justement de Jésus qui est la lumière du monde. Alors je vais te le lire, c'est dans Jean 8, verset 12. « Celui qui me suit aura la lumière de la vie et ne marchera plus jamais dans l'obscurité. » Alors Moïse et moi, on va vous apprendre le verset. Vous êtes prêts ?« Celui qui me suit »« Celui qui me suit » »« aura la lumière de la vie »« aura la lumière de la vie » »« et ne marchera plus jamais dans l'obscurité » »« et ne marchera plus jamais dans l'obscurité » Jean 8, verset 12. Jean 8, verset 12.